Messieurs, dames, ici Club de Gaming et on se retrouve sur Crash Bandicoot pour un épisode suivant, l'épisode du boss Koala Kong. Donc c'est parti, il aime montrer ses muscles quand il a un public. Alors, comment il fonctionne? Il a 4 PV. Ok, on peut pas marcher dans le tour en lave apparemment. Est-ce qu'on peut se balader vers lui? Non, on crame, quoi qu'il arrive, on peut pas aller plus loin. Ok, laisse-moi savoir donc. J'ai vu qu'il y avait des TNT qui allaient arriver vers nous. Ah. Ok. Avec son petit cul là qui remue, qui trémousse. Ok, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Ouais. Ok, d'accord. Très simple. Enfin, très simple. Le principe est simple. Faut éviter la TNT, éviter les cailloux. Et quand il envoie un gros caillou, faut le propulser sur lui. Et de deux. Oula. Attention à ça. Merde! J'ai tournoyé alors qu'il y avait la TNT qui est apparue. Ok, donc le principe est relativement simple maintenant, plus qu'à exécuter correctement et ça sera. Ok. J'arrête de prendre l'habitude de tournoyer quand je saute ou quand j'évite. Allez, bim! Dans les pecs. Allez, un gros caillou. Allez, waouh! Flex, flex autant que tu veux. Là, il va y avoir un deuxième TNT, faudra faire gaffe. Okay. Et de 3. Ah non, on l'a pas touché. Il y avait un chariot de cailloux qui était devant lui. Un peu chiante les TNT, très contraignante. Hop, là il y a pas de chariot. On peut l'envoyer. Ok. Et plus qu'un coup maintenant. Ça va le faire. Sur le TNT. Bim. C'est très bien. On reste par là. On attend que le chariot se décale. Et bim. Parfait. Je pense qu'on a gagné. Effectivement. Du coup, c'est un niveau. Une vidéo assez courte par rapport aux autres. On commence à voir la vidéo des vidéos de 20 minutes. Parfois même d'une demi-heure. Donc j'espère que vous l'aurez apprécié comme d'hab. Et je vous fais des bisous pour la suite. Ciao ciao.